ça y est, je prends rendez-vous ce soir avec Jean-Luc Lemoine, Elsa Fayer, Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor, Christine Bravo et Pierre Bénichou. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Il est heureux. C'est bien chaud entre vous. Non, c'est pas le tour, le tour, toutes les deux, ouais, là, c'est plus où j'en suis. Des abeilles. Mais oui, c'est fou, ça, on croirait. Deux abeilles autour du... Mais il y a un sexe à pied, des bourdons. Autour d'une ruche, en quelque sorte. Hein. J'adore, on a l'impression qu'on a la même taille. Gardez vos distances, restez avec votre copine et faites comme si j'étais pas là. Voilà. Voilà. On va avoir du mal à publier. Bon. Je crois qu'on va vite passer à l'actualité, c'est important, il y en a beaucoup en plus aujourd'hui. La photo du jour, c'est évidemment la photo de la sortie du film de ce mercredi, La femme du boulanger, avec Cécilia et Nicolas Sarkozy, puisque ça y est, c'est officiel, la pomponnette est revenue. Bon, je préfère quand même la version du film d'Isabelle Mergault, puisque Cécilia a tout de suite dit à Nicolas, je vous trouve très beau, et elle est rentrée, oui, elle est rentrée, c'est l'info du jour, les retrouvailles du couple Sarkozy. On peut lire ça dans Le Parisien aujourd'hui, dans VSD, dans Libération, dans 20 minutes, dans La Croix, La Tribune, Les Échos, Luma, Métro, Gala, Voici, Public, Time Magazine, The Sun, Herald Tribune, Washington Post. Mais attention, pas un mot, c'est confidentiel. Il y a que dans Le Figaro. Dans Le Figaro, on nous dit rien, mais bon, on est très emmerdé au Figaro en ce moment. On sait juste qu'il y a une journaliste du service politique qui vient de passer à gauche, c'est tout. Pierre. Moi, je trouve que c'est formidable cette histoire parce que Cécilia Sarkozy ait monté toute cette affaire pour qu'on parle de son mari, je trouve ça très gentil quand même. C'est la meilleure attachée de presse du monde. Hein. Christine. Moi, je trouve ça toujours bien quand un couple de longue durée se réconcilie. Je trouve ça vachement bien. Et en plus, on a tout le détail dans Le Parisien aujourd'hui. Alors, nous, on n'invente rien. Patrick Balkany, un ami des Sarkozy, raconte tout quasiment sur une page entière. Il raconte tout, Balkany. On ne sait pas comment il a pu savoir tout ce qui raconte d'ailleurs, mais au moins maintenant on sait qu'à Neuilly et à Levallois-Perret, on sait à quoi servent les caméras de vidéosurveillance. C'est pour savoir qui est cocu, qui l'est plus. Mais il raconte tout vraiment en détail. À un moment, il raconte que donc l'avion de Cécile arrive sur le tarmac. Et il vient la chercher et Richard Attias reste dans l'avion. Ouais. C'est Casablanca, tu sais. C'est comme une négociation entre otages qu'on libérerait. Qu'est-ce qu'il a donné en échange? Je ne sais pas. En tout cas, écoutez, c'était le feuilleton de ces derniers mois. Ça y est, il est terminé. Bien terminé pour eux. Tant mieux. Pour Nicolas et Cécilia, c'est reparti. Mais une bonne nouvelle est chassée par une mauvaise nouvelle. Oui. Entre Magali et Ludo, c'est fini. Alors là, quand c'est pas les uns, c'est les autres, tu vois. Oh, comme quoi, c'est pareil, que ce soit Police Academy ou Star Academy, c'est pas facile une vie de couple. Et moi, j'ai une info. Alors, l'info, c'est que Jérémy, vous savez, Jérémy et la petite Maude. Oui. Eh bien, ils ne sont vraiment pas ensemble. Mais non, c'est une bise. Et Magali, elle l'a quitté Ludo pour Nikos. Pourquoi ça va? Grèce, c'est ça. Respectorien. Heureusement, malgré tout ça, pour Dominique de Villepin, la vie est belle. C'est en tout cas ce que titrait France Soir ce matin. Le Premier ministre est en effet en guerre contre les déclinologues, nous dit le Figaro. Les déclinologues, c'est ceux qui voient toujours tout en noir. Et il a décidé, le Premier ministre, nous précise 20 minutes, d'adopter la positive attitude. La positive attitude, vu comment ça a réussi à Raffarin, il devrait se méfier, Villepin. En fait, hier, lors de ses vœux à la presse, le Premier ministre a précisé qu'il rêvait d'une année d'humour et de tendresse, comme le titre Libération. Eh bien, au journal L'Humanité, ils l'ont entendu. Ce matin, Luma titrait « Villepin, l'austérité avec bonne humeur ». Voilà pour l'humour, il est servi. Pour la tendresse, il faudra qu'il attende un peu. Hein. Et alors, hier, il a présenté son nouveau slogan, le Premier ministre, qui est « Avançons ensemble ». Eh bien, pour une fois, Nicolas et Cécilia l'ont écouté. Il a raison, après tout, il faut être optimiste, non? Bien sûr, aimons-nous vivants, comme le dit François Valéry. C'est son nouveau gourou, non? Vous avez des vrais philosophes, vous voyez, citer. Il aurait pu dire aussi « Tu es mon essentiel ». Bravo, tu connais.
À gauche, Laurent Fabius a confirmé, lui, sa candidature à la candidature. Interrogé sur la cote de popularité de Ségolène Royal, Laurent Fabius a répondu qu'il trouvait excellent qu'il y ait des femmes socialistes candidates, mais que pour remplir la fonction de président, cela demandait de l'expérience, de la compétence, de l'endurance et une ligne politique qui doit être clairement à gauche. Bon, en gros, lui, mais pas Ségolène, voilà ce qu'il a voulu dire. Fabius, en fait, il veut tellement l'Élysée que s'il le faut, il se fera opérer et il sera candidate. ça devrait lui piquer des gens. Je comprends pas bien, là, dans ce qu'il dit. Ségolène Royal, ça fait quand même super longtemps qu'elle est dans la tirade politique. Elle n'a pas été premier ministre comme non, lui. Enfin, ouais. Et alors? Ça devrait lui coûter des voix. Mais j'espère bien parce que c'est les totalement voix. Misogyne. Mais oui. Tu as absolument raison. C'est parce misogyne, que pousser la misogynie jusqu'à se présenter contre une femme, ça c'est dégueulasse. Moi je suis contre la misogynie, mais qu'est-ce qui est misogyne là-dedans? Il n'y a rien de misogyne. Parce que ça pourrait être très bien pour François Hollande, ça serait la même chose. Mais il ne le dit pas pour François Hollande. Mais parce qu'il n'est pas clairement. Il n'est pas en tête des choses. Il n'est pas endurant, Ségolène Royal. Il a raison, Fabius, finalement. Pas de sens. Ségolène Royal, elle, pendant ce temps-là, est toujours au Chili, où elle s'est recueillie hier sur la tombe de l'ancien président socialiste, Salvador Allende, avec la fille cachée de Salvador Allende, la fameuse Chili Mazarine, très connue dans la région parisienne. Et François Hollande s'inquiète un peu du séjour de Ségolène outre-Atlantique. Il paraît que M. Hollande a téléphoné hier à Patrick Balkany pour lui demander s'il savait quand elle allait rentrer. On passe à Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation, qui s'est un peu réveillé. Chaque semaine, il nous trouve quelque chose de nouveau. Et sa dernière trouvaille, c'est deux matières par prof. Et bien, vu l'ambiance dans certains lycées, on leur conseille même karaté en deuxième matière. Maureen. Le meilleur prof que j'ai jamais eu de ma vie, c'était en terminale. Il donnait des cours de français, latin, philo, religion, histoire, géo. Eh ben, il donnait tout ça. C'est vrai que ça existe depuis toujours. Moi, j'avais ma prof de français en troisième, qui était aussi ma prof d'allemand. Elle faisait allemand et français. C'était pendant la guerre. Pas du tout. On passe au sport avec ce soir à Lyon-Marseille qui nous offre un duel à distance, regardez. Eh oui, un duel entre Tiff et Tondu, Coupé ou Barthez. Lequel des deux gardera les buts de l'équipe de France en Allemagne en juin prochain? Franchement, un des deux, moi j'en vois qu'un qui peut gagner une coupe. Autre sport, les Jeux Olympiques d'hiver, on est à J-30, nous rappelle le Parisien ce matin, avec un titre qui fait peur dans le Parisien, les skieurs français partent de loin. Alors déjà qu'ils descendent moins vite que les autres, si en plus ils partent de plus loin, alors là on est mal. Remarquez bien, à l'arrivée du slalom, ils ne descendront pas plus bas. Des nouvelles d'Henri Lecomte maintenant, c'est dans Gala. Regardez, Henri Lecomte est en vacances à Tahiti avec sa nouvelle épouse. Alors on a des tas de photos. Bon, alors on sent bien qu'il y a peu de chances qu'il reprenne le tennis, Henri, hein, vu quand même, on regarde un peu de... Mais en revanche, pour la grande finale du championnat de Gélercon pendant mes vacances, il a toutes ses chances. Suite au tollé provoqué par l'adoption de l'article 4 de la loi du 23 février 2005 qui entend consacrer dans les programmes scolaires le rôle positif de la présence française outre-mer, M. Chirac a affirmé la semaine dernière que le texte devait être réécrit. Le président de la République a aussitôt chargé Jean-Louis Debré de déposer une nouvelle proposition de loi, tandis que de son côté, M. Nicolas Sarkozy a lui demandé à l'avocat Arnaud Klarsfeld de mener un travail approfondi sur la loi, l'histoire et le fameux devoir de mémoire. Comme c'est Nicolas Sarkozy qui a enrôlé Klarsfeld, on va enfin pouvoir dire que cette fois, c'est Sarkozy qui est enrôleur et non pas Arnaud Klarsfeld. Pour parler de ce sujet, accueillons tout de suite l'avocat Arnaud Klarsfeld. Bonjour Arnaud, bêtement je vous présente toujours comme avocat, mais est-ce que vous êtes toujours avocat? Oui, je suis toujours avocat. Alors là vous allez plaider, on ne sait pas encore, peut-être pour Nicolas Sarkozy en tout cas, c'est lui qui vous a confié cette mission. C'est un match Klarsfeld contre Debré? Non, c'est-à-dire il m'a confié la mission le 23 décembre,
Et dès le 24 décembre, je rendais, disons, mes conclusions pour l'essentiel, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il fallait réécrire l'article 4 pour tenir compte des méfaits de la colonisation, les massacres, les tortures, les exactions, la répression policière, mais aussi garder les aspects positifs, parce que des aspects positifs, il y en a. Ce sont la résorption des pandémies, des endémies, le taux de mortalité infantile qui a baissé, la construction de routes, d'infrastructures, de voies de chemin de fer, qui ont été faits souvent dans des buts égoïstes par la France, afin de maintenir, de conserver ses richesses et d'exploiter le pays, mais qui sont quand même des aspects positifs. Ces aspects positifs ne figurent pas dans les manuels scolaires que j'ai étudiés. Et au bout de 10 jours, après que j'eusse parlé, Jacques Chirac a dit qu'il fallait aller dans le sens de la réécriture. Donc il faut La politique peut et doit se mêler de l'histoire. La loi n'a pas à interpréter l'histoire. Après, de dire que la colonisation est globalement positive, globalement négative, ça c'est aux historiens de le faire. Mais la loi a le droit de dire que dans le domaine de l'éducation, les aspects positifs doivent figurer. Christine ? Bon, moi j'ai été institutrice et effectivement, dans les livres d'histoire, on est obligé de suivre un programme, on est obligé d'enseigner ce qui est écrit dans les manuels. Moi je me souviens, j'avais des petits noirs dans ma classe, quand on leur apprenait nos ancêtres les Gaulois, ça me faisait un peu bizarre, tu vois. Ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est-à-dire au début du siècle, il n'y avait que des Français de souche en France. Maintenant, il y a des gens d'origine diverse. La loi doit tenir compte de cela. Voilà, donc je suis plutôt d'accord, mais tu sais très bien qu'il n'y a pas de colonie. Sans racisme. Et la deuxième chose, quand on voit par exemple ce qui est fait aujourd'hui aux Indiens des Amériques, je voudrais que tu me dises quel est l'effet positif de la colonisation. Voilà. Bon, sur le premier point, les méfaits sont connus, c'est-à-dire c'est une exploitation qui était parfois terrible. Mais il faut l'enseigner tout ça, aussi. Bah, évidemment qu'il faut l'enseigner, mais cela figure dans les manuels scolaires. L'enseigner, c'est pas le mot, mais le rappeler en tout cas. Voilà. Mais il faut aussi se replacer dans le contexte de l'époque où les enfants du prolétariat français au 19e siècle, eh bien, eux étaient traités à peu près de la même façon que les peuples dominés, c'est-à-dire un travail 12 heures par jour, sans congé, sans éducation. Bon, il faut donc replacer aussi les... Oui, l'esclavage existait en métropole aussi. Et l'esclavage existe encore aujourd'hui, il y a 300 millions de personnes qui vivent en esclave. Pierre Bénichou. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire M. Carlsen. D'abord, je trouve que sa première conclusion, c'est mieux, cette loi doit être réécrite. D'abord, une loi qui dit les historiens doivent faire ça est évidemment irrecevable parce que les historiens n'ont pas à se faire donner des leçons et donner des consignes. Mais le législateur, en faisant ce texte-là, a peut-être cru, et je ne crois pas à tort, que l'idéologie dominante en ce moment, c'est de dire tout est mal dans la colonisation, nous sommes dans la repentance, nous avons fait tellement de mal aux Noirs, tellement de mal au peuple d'Afrique du Nord et au peuple des Antilles, que peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a aussi quelque chose de bien. Je crois que c'est de l'hypocrisie de ne pas se dire que c'était inclus. Quand on dit les aspects positifs, c'est-à-dire les aspects négatifs, on en parle assez. D'abord, dans la loi, il faut distinguer ce qui a été la colonisation de l'esclavage. Ça, c'est une chose, parce que ce ne sont pas les mêmes choses. Deuxièmement, sur les historiens, il ne faut pas enseigner aux historiens comment écrire l'histoire. Jusqu'au début des années 80, dans les manuels scolaires écrits par des agrégés d'histoire, il était écrit que les Juifs en France avaient été arrêtés par les seuls Allemands. Il a fallu les affaires judiciaires et donc la pression sur ces historiens pour que la vérité éclata, c'est-à-dire que les trois qui rentrent dans la conscience collective de la France, c'est-à-dire que les trois quarts des Juifs de France ont été arrêtés par des uniformes de Vichy. C'est un certain Serge Karlsfeld, non, dont tu connais un peu. C'est mon papa. Jean-Bernard, eh bien. Alors, première chose, je crois qu'il faut féliciter Nicolas Sarkozy de l'avoir choisi, parce que la preuve, c'est lui qu'on prend à la télé et c'est pas Jean-Louis Debré. Il est beau, il est intelligent, il est libre penseur, il est moderne, il est trilingue, il est célibataire. Ouais. Ma petite amie qui est là. Donc évidemment. Non, elle est là, je la vois. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous fait courir, qu'est-ce qui vous a amené à accepter cette mission. C'est une mission qui est une mission intéressante, donc c'est normal que je l'accepte. Est-ce que c'est parce que vous êtes ami aussi avec Nicolas Sarkozy? Ami, c'est un grand mot. Parce que si vous étiez ami, c'était juste pour que vous me racontiez, elle est revenue ou pas? Ça, je sais pas.
Vous pouvez me le dire. Ouais, mais ça, je suis pas au courant de ce genre de choses. Il en parle un peu. J'ai jamais été très potin. Je suis content. C'est à dire qu'un couple a un enfant, il vaut mieux qu'il continue à avancer. C'est mignon. On a besoin d'un révolutionnaire pour nous dire des conneries pareilles. Ah, c'est vrai. Ça, hein. Ça, vraiment. Alors. Mais je veux dire, si c'est Monsieur Chirac, par exemple, qui vous avait appelé pour vous demander la même chose, vous auriez tout aussi bien dit oui. S'il m'avait demandé, oui, j'aurais dit oui, voilà. Oui, bien sûr. Elsa Fayer. Oui, moi, je suis pas très d'accord avec ce texte-là, parce que je trouve que c'est pas au gouvernement d'imposer une réalité historique. Je trouve qu'il y a des historiens qui sont là pour ça, et je trouve quand que vous dites ce texte-là, la loi est déjà votée. La loi est déjà votée, mais le texte sur lequel il est en train de travailler. Maintenant, vous avez quand même attisé. J'aime bien parce que quand on lui parle, il écrit, on sait pas non, quoi. Non, qu'est-ce que vous écrivez? Vous me dites des choses, moi. Une mémoire relativement, même si j'ai à réfléchir sur la mémoire, j'ai pas tellement de mémoire, donc c'est juste mon vrai nom. Excusez-moi, c'est de voir sa mémoire. Là. C'est la première fois que quand elle parle, quelqu'un prend des notes, faut dire. Vous m'avez gâché mon plaisir, j'étais hyper contente. Non, mais vous avez attiré la jalousie. Il y a le président du MRAP qui vous dit incompétent en la matière. Il y a Dieudonné aussi qui s'en donne à cœur joie, mais ça, on pouvait l'attendre un petit peu sur ce sujet-là. On vous traite un petit peu de colonialiste du fait que vous ayez fait votre service militaire en Israël. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Premier point, vous me dites que ce n'est pas au législateur d'écrire la loi. Le législateur le fait quand il déclare que le 14 juillet est une journée de célébration nationale. C'est-à-dire qu'on célèbre le 14 juillet. Or, la révolution a entraîné quand même des milliers et des milliers de morts qui sont des morts innocentes. Donc, c'est au législateur aussi de fixer des bornes morales dans la vie des nations. Et c'est là aussi la tâche du législateur. Or, cette morale, il ne peut la trouver que dans l'histoire. Il ne la trouve pas dans la biologie. Cette morale, parfois, varie selon les siècles. Sur le deuxième point, c'est-à-dire sur les critiques émises par l'extrême-gauche, par le MRAP et par l'extrême-droite, qui sont exactement les mêmes critiques, sur le fait que j'ai fait mon armée en Israël, colonialiste. J'ai toujours dit que j'étais pour un retour aux frontières de 67, pour un partage de Jérusalem, c'est-à-dire que Jérusalem-Est devienne la capitale de la Palestine, que la partie juive reste la capitale d'Israël. Donc, s'il dit que je suis partisan de la colonisation, peut-être estime-t-il que la colonisation israélienne commence en Israël même, et alors il se place sur le même point que le président iranien qui dit que les juifs n'ont rien à faire au Moyen-Orient. Jean-Luc Lemoine. Non, mais je trouve que vous n'avez pas de bol. On vous confie que des missions assez graves quand même. C'est vrai que c'est important, le devoir de mémoire et tout, mais c'est vrai que vous travaillez toujours sur des sujets très très lourds. En plus, vous allez faire votre service militaire. Moi, j'ai tout fait pour me faire réformer, ouais. Donc il y a des choses que je ne comprends pas. Est-ce que vous n'avez pas envie de temps en temps qu'on vous confie des missions moins graves, genre écrire une chanson pour l'Eurovision ou des choses comme ça? Vous n'imaginez pas à quel point je peux être futile en nombreux domaines. Je passe je ne veux pas dire des heures, parce que sinon on met beaucoup de temps à discuter avec mes chats, à faire miaou, miaou, miaou. Ah oui. Donc, le chat que vous avez ramené d'Israël, d'ailleurs. Ça, il faut pas le dire, ça vous décrédibilise terriblement. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher, parce que ça fait partie de ma vie. Donc il y a des fois où c'est des sujets graves, mais je suis bien futile. Il pourrait écrire pour l'Eurovision, parce que vous écrivez des poèmes toujours? Moins maintenant, beaucoup moins maintenant. Voilà, il faut simplement, puisque c'est, je crois, Pascal Sevran qui organise le concours du représentant français pour le prochain Eurovision, il faudrait qu'il vous demande d'écrire la chanson, Arnaud Klarsfeld. On va quitter le débat historique et sérieux que nous avions pour parler des disques qui sortent, et vous allez pouvoir repartir avec un de ces trois CD, Arnaud Klarsfeld. Mais avant, il va falloir écouter les conseils de Jean-Bernard Hébé. Et on commence par ce CD de Funky Family. Alors, c'est plutôt bien fait. Ils vont sampler des musiques plutôt des années 70. On entend Supertramp, on entend des choses comme ça. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Le clip de Marginal Music, c'est le titre de la chanson, mais c'est aussi le titre de l'album de Funky Family, Marginal Music. Par un nom du game, par un pas du game, pour l'honneur des tiens. Envoie la marginale musique. Personne nous représente, alors on le fait nous-mêmes pour ce qu'on n'entend jamais. Envoie la marginale musique. Si tu veux qu'on se lève, qu'on aille sur la piste, tu sais ce qu'il nous faut pas. Envoie la marginale musique. Hip hop music. Jean-Luc. Non, je sais pas.
J'ai l'impression qu'il revendique beaucoup de choses dans la chanson et je comprends pas, pourtant tout va bien en France. Pierre ? Ah, moi j'aime beaucoup ça. Ah, c'est son côté Jones. Elsa Fayer ? Moi j'aimais bien la Funky Family à l'époque où ils étaient avec Akhenaton, ils avaient fait la BO de Taxi, etc. Et là je suis un peu déçue par celui-ci. Non, pas Emma, pourquoi Emma ? Myriam. Elle s'appelle Myriam Abel et c'est donc son premier album, La Vie Devant Toi. Eh bien, je suis à même de vous révéler un secret. J'ai enfin percé à jour l'un des grands mystères de la production phonographique française, de tous ceux qui font la Starac, la graine de star, la recherche de la nouvelle star. C'est toujours le même disque, ils ne font que changer la pochette. Écoutez, c'est comme le reste. La chanson s'appelle « Donne », premier extrait du nouvel album et premier album de Myriam Abel. Moi j'adore ce titre, je connais déjà les paroles je crois par cœur. Moi j'aime beaucoup, mais je trouve quand même qu'elle est sapée comme un cul dans son clip. Elle est quoi ? Elle est sapée comme un cul dans son clip, je ne comprends pas. Et toi tu vas te laver la bouche parce que si tu parles comme ça... Alors comment on doit dire ? Sean Paul. Sean Paul. C'est comme Sean Connery. Voilà. Absolument, bah, c'est la même chose, il n'y a que le Sean qui est différent. Alors, comme vous pouvez le constater sur la pochette, il est noir, il est jamaïcain, il est inspiré par le reggae. Je trouve pas ça terrible, mais je sais pas, le monde entier a l'air d'aimer ça. Ça s'appelle The Trinity, je trouve que ça n'a aucun intérêt. L'album, effectivement, s'appelle The Trinity, le clip Ever Blazing, c'est le premier single. My love is ever blazing, girl, and you know it not gonna change. As the world burns and the stars burn, girl, you know I'm gonna be there. My love is ever blazing, girl, and it never fades away. There's no pretending. Moi j'aime bien ça. Pierre. Moi, je cherche en vain les côtés positifs de cette colonisation-là. C'est vraiment, ils auraient pu rester tout seuls, ce mec. Pas la les côtés positifs de la Jamaïque, je peux vous les donner, moi. Vous savez ce que ça dit, un reggae-man qui arrête de fumer des pétards ? Je l'ai su, mais allez-y. C'est quoi cette musique de merde ? Ah oui, pas mal. Bon, il faut choisir. Alors là, attention, Arnaud Clarkson, entre la Funky Family, Myriam Abel et Sean Paul. Oh, ouais. Et vous avez le droit, parce que c'est vous, Arnaud, d'en choisir un que vous pourrez offrir à Nicolas Sarkozy. Ah. Oui. Funky Family. C'est parfait. On vous remercie. Arnaud Clarkson. À partir du 7 février prochain, à la ménagerie du Cirque d'hiver Bouglione, se jouera Orange Mécanique, une pièce adaptée du célèbre film de Stanley Kubrick, pièce et film qui d'abord, il faut le dire, était un livre, Orange Mécanique. Cette pièce sera produite par Philippe Hersen, mise en scène par Thierry Harcourt, et c'est Sagamore Stevenin qui incarnera Alex, le personnage principal ultra-violent d'Orange Mécanique. Au départ, vous savez peut-être, c'est Samy Nasseri qui devait avoir ce rôle, mais au lancer de Cendrier, c'est Sagamore Stevenin qui a finalement gagné. Pour parler ensemble d'Orange Mécanique, enfin sur scène, accueillons le producteur et l'acteur principal de cette pièce, Philippe Hersen et Sagamore Stevenin. Bonjour. Christine, Christine. Qu'est-ce que c'est que ces gestes ? Mais on se connaît pas, mais tu. Mais incroyable, c'est un truc de fou, c'est une révélation. On est déjà dans la Christine. Oui. On se connaît. Mais est-ce que c'est toi qui m'as appelé pour jouer dans une pièce ? Non, c'est pas lui. La femme de Castaldi. De Jean-Pierre Castaldi. Tu te rappelles ? Oscar. La femme de Benjamin, elle aurait peut-être dit oui, mais la femme de. La femme de Castaldi, mais t'es malade, j'aurais dit non. Faut dire qu'en tant que producteur de théâtre, vous êtes un producteur de théâtre qui avait des idées assez folles et assez étonnantes. C'est vous qui avez mis Bernard Tapie en scène. Hein? Oui, voilà le tunnel de coucou et le beau salaud. Voilà. Vous avez alors des idées.
qualité de production hallucinante. On n'a pour l'instant jamais travaillé ensemble, il n'y a pas de connivence entre nous, mais je dois dire que vous osez... Ça va pas tarder, ouais, je pense. Mais vous osez des trucs au théâtre que personne n'oserait, ça, alors. Alors, d'abord, Orange Mécanique, c'est l'actualité, parlons de ça. C'est Samy Nasseri qui devait jouer ce rôle. Je crois que vous avez essayé qu'il joue quand même Orange Mécanique. Bah, pardon, Sagamore, bah, c'est oui, pas de revenir là-dessus, mais comme ça, ce sera évacué, puis après, on parlera de Sagamore. Voilà. Où il en est, Samy Nasseri, alors? Toujours en tôle. Toujours à la santé, naturellement. D'ailleurs, il sait que c'est Sagamore qui a repris le rôle, naturellement. Mais bon, c'est sûr que ça a été très, très compliqué. Jusqu'au dernier moment, j'ai essayé de le sauver, c'est vrai. J'ai demandé au procureur, le juge d'instruction, voir s'il y avait des possibilités. Alors, de le sortir uniquement pour les répètes et le soir. Et ça m'a été refusé parce que, bon, l'instruction est en cours. On accepte facilement ça, justement. C'est intéressant de savoir si un comédien, quand il apprend que le rôle était prévu pour un autre, est-ce qu'il réfléchit à deux fois avant de dire oui? Je vais juste remettre un peu les choses à la place. Samy, c'est un ami. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Maintenant, on le souhaite à personne que ça soit dans tous les journaux le lendemain. On souhaite à personne non plus d'avoir 33 points de suture à cause d'un cendrier. C'est un peu facile. Ouais, il y a une instruction en cours, attends. Et maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens en prison qui regardent votre émission parce qu'ils ont un peu que ça à foutre. Ça me ferait chier que Samy, ou évidemment, je compatis tout à fait pour le mec en face parce que voilà, mais il y a plein de gens, il y a des millions de gens en France qui font des conneries, c'est pas toujours dans Voici le lendemain, c'est tout. Et que maintenant, j'ai pas envie de faire. Non, mais je vais juste. Ça vient aussi que quand on est un personnage public, on essaie de montrer l'exemple. Mais oui, c'est vrai. Mais après, il y a toujours la double. Il y a l'ambiguïté entre personnage public et personnage officieux. Donc je pense que si on lâche un petit peu et qu'il peut finir ça tranquille et c'est de mettre sur pied, c'est bien. Maintenant, si on parle de la pièce, c'est mieux. Merci. Voilà, ça, c'est alors, fait. C'est pas ça pour moi, fait. C'est pour lui. C'était pour ma moi, question. Moi, alors, justement, est-ce que ça, vous... je reviens à ma question, et là, on est au cœur du théâtre. Est-ce qu'un comédien accepte facilement un rôle quand il sait que ce rôle-là, au départ, n'était pas prévu pour lui? Voilà. Bien sûr. Enfin, moi, c'est pas ça. J'ai pas eu de problème du fait d'accepter le rôle ou pas. J'ai demandé à Philippe de savoir si c'était extrêmement clair avec Samy, à partir du moment où ça l'était. L'important, c'est la pièce et ce qu'on raconte, c'est comme le film. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler, parce que c'est vrai que ça arrive quand même, hein, on parle de ça comme si c'était hier, Orange Mécanique, mais peut-être qu'on pourrait redonner le pitch d'Orange Mécanique. Jean-Bernard. J'avais pas lu le livre, j'ai vu le film plusieurs fois, que j'ai adoré. Je trouvais ça extrêmement moderne et ça l'est toujours aujourd'hui, d'abord parce que cette bande de drogues, c'est-à-dire des jeunes délinquants qu'on a appelés à un moment des blousons noirs, qu'on appelle aujourd'hui des jeunes des banlieues, tout ce qu'on veut, ce sont des délinquants, ce sont c'est des jeunes... C'est un phénomène d'actualité complètement. Voilà, ce sont des jeunes qui veulent se révolter contre l'ordre établi, ils ont leur propre langue, leur propre code, leur propre lieu, leur propre vêtement. Ça a toujours existé, ça fait 50 ans que ça existe au moment où l'adolescence se révolte, et elle se révolte en se servant des outils qui sont à sa disposition. Là, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en plus, il frappe, il vole, il tue des clochards, enfin, je me souviens, il viole. Mmh. Bon, c'est terrible. Et la société veut mettre un holà là, et qu'est-ce qu'il décide? C'est de le soigner par des procédés absolument terribles, c'est-à-dire qu'on lui ouvre les yeux et on projette des films de violence, de violence, de et viol, de sexe, de pornographie, et tout, de façon à lui faire prendre conscience de l'horreur de la situation. À la fin de ces 50 traitements, il devient un agneau et il devient effectivement lui-même victime de la société. Maintenant, je me demande comment on va faire ça au théâtre, et c'est pour ça que je suis très curieux d'aller voir la pièce. Il semblerait que monsieur va parfaitement faire l'affaire, puisque à la ville comme à la scène, il a l'air d'être le personnage. Le personnage, ouais. Donc, je sais pas, il n'était pas blond comme ça au départ, hein, dans le film. Non, c'est teint les cheveux. Ça va se patiner un peu, ça, c'est le premier jet. Ça va pas se patiner, ça va se platiner. Mais une chose que vous ne dites pas dans le pitch, et qui est quand même un argument, je trouve extraordinaire, c'est que Anthony Burgess, qui était un écrivain, a vécu cette chose-là, c'est-à-dire qu'il était chez lui avec sa femme, qu'un groupe de mecs sont arrivés, des voyous, et qu'ils l'ont violé après l'avoir attaché lui. Donc c'est un truc autobiographique qu'a raconté ce type. C'est une horreur vécue. Mm-hmm. C'est pas dans l'esprit d'un écrivain, cet homme de travail. C'est vraiment une chose extraordinaire. Est-ce que, parce que t'étais beau, mon fils, toi, avant, mais qu'est-ce qui t'a... C'est pour le rôle que t'es comme ça. Est-ce que c'est pour le rôle? Bah oui, c'est pas alors, ma mère. Est-ce que donc, excuse-moi, je te tutoie, tu pourrais être mon fils. Je t'en prie. Est-ce que tu fais l'acteur là, quand je te vois là, ou parce que tu joues ce rôle un peu violent comme ça, ou est-ce que tu es comme ça dans la vie? Parce que je te voyais sur ces photos absolument magnifiques, angéliques, et plus jeune garçon de bonne famille. Alors est-ce que tu joues un rôle? Regarde là, non, c'est mais regarde. Que... Quand il vient vendre Michel Vaillant, il est Michel Vaillant. Quand il vient vendre Alex d'Orange Mécanique, il est Alex d'Orange Mécanique. Est-ce que tu le fais exprès? Non, en fait, je vais te répondre vachement simplement, c'est que je suis pas acteur.
Donc, comme ça en vrai. Bah, je suis comme ça en vrai parce que je suis vachement plus enfantin. C'est-à-dire que j'ai besoin de croire à ce que je fais et je me dis que la grande chance de ce métier, c'est quand même de pouvoir vivre concrètement des choses que si on le faisait dans la vraie vie sans avoir une feuille de service, on finirait... À la santé. Alors, tu l'as loupé, celle-là, putain. La caisse La caisse est interdite aux moins de 16 ans. Ouais, tout à fait. Ah, bah, on espère mais ça, c'est vous qui faites ça pour la caisse ou c'est une décision de justice? Non, c'est pas une décision de justice, c'est une autocensure. Parce que je pensais que le spectateur, fallait qu'il ait un certain recul par rapport au propos de la pièce, c'est-à-dire sexe et violence. Donc obligé d'avoir obligatoirement une barrière. Alors c'est vrai que de l'extérieur ça fait un effet marketing, interne au moins de 16 ans, c'est la première fois au théâtre. Mais vraiment ça le mérite. Vraiment. Non, producteur quand même, vous savez que vous vous privez quand même d'une frange donc, de public. Ils vont tricher. Comme c'est au théâtre de l'âge du cirque d'hiver, est-ce que les parents peuvent venir et envoyer les enfants au cirque d'hiver à côté pour voir les bouglions? Ah mais sans problème. Sans problème. Et peuvent même si tu veux falsifier la carte d'identité avant de rentrer. Tu vas pas demander la carte d'identité? Non. Mais je voulais savoir aussi parce que... Il va demander la carte bleue, ça. Voilà. C'est le producteur. J'ai l'impression que vous aimez bien travailler avec des non-comédiens d'origine. Je veux dire, quand vous travaillez avec Laurent Baffy, avec Bernard Tapie... C'est sympa pour toi, ça, tu vois. Mais non, mais cela dit, j'aime bien qu'il n'était pas comédien. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux comédiens qui ont fait le conservatoire? Aux vrais comédiens. Non, mais c'est pas fondé, ce que tu dis. Non, à chaque fois, si je prends le cas de Tapie sur Vol ou sur le Beau Salaud, j'essaye, c'est une vraie personnalité, de pouvoir l'entourer de vrais comédiens, comme ça elle a été pour... avec Natacha ou... Christine Bravo, par exemple. Philippe Corti qui va jouer. Mais je peux te jurer que Corti, il est bourré de talent, ça sent. Oui. On peut pas prendre n'importe qui. Pour jouer ce genre de rôle, vous devez aller puiser en vous des violences que vous avez pour être sincère. Est-ce que par exemple quand on joue la scène de viol, est-ce que quand vous êtes très bon dans la scène de viol, par exemple, est-ce que ça vous fait pas peur vous-même de vous dire mais est-ce que c'est pas un genre de rôle qui dans lequel on se fait peur? Ça doit faire surtout peur à la comédienne. De dire tiens j'ai quand même ça en moi peut-être. J'espère. Ah oui? T'étais pas rassuré quand il dit ça. Hein. Qu'est-ce que j'espère avoir ça en moi. Si c'est pas un exutoire d'être comédien, c'est quoi? C'est pas pour être sur un plateau télé? Non, on n'a pas tous envie d'aller rechercher la capacité qu'on a à violer ou à. Non, mais c'est pas violer. Demain, je dois être, je sais pas, m'occuper d'enfants. Demain, je vais aller chercher l'amour que j'ai à l'intérieur de moi. C'est mon exutoire. Si tu le fais sincèrement, l'important, c'est la sincérité, je pense. Je pense que vous avez trouvé le bon, parce que même ici, il nous fout la trouille, alors j'imagine. J'imagine dans Orange, mec. Ah non, ça va, il est souriant aussi. Non, mais c'est vrai que Maureen a raison. Tous les comédiens qui ont joué une scène de viol au cinéma disent que c'était très difficile. Là, vous allez devoir faire 50 fois de suite. Tous les soirs. C'est ça qui est très difficile. Et en matinée. Non, pas de matinée, tu vois. Pas de matinée. Je vous propose, Sagamore, Stevena, d'exprimer votre violence, de nous montrer déjà un avant-goût. De nous montrer un avant-goût d'Orange Mécanique et de tester tout ça sur Jérôme Bonaldi. C'est pas. Sagamore, s'il vous plaît. Surtout pas de violence. Je vous amène la vie. Je vous amène ce qui est peut-être... Save God. Non, soyez pas violent, au contraire, soyez très respectueux. C'est moi le plus gentil. L'avenir de l'humanité. Même pas capable de tuer un poisson. Alors, l'idée, elle est géniale. On a enfermé là-dedans de l'eau salée, un petit peu filtrée, de l'eau de mer. On a mis une plante vivante et des crevettes. Et tout ça vit tout seul. C'est la vie. On pourrait l'envoyer dans l'espace, ça vivrait comme ça pendant 10, 15 ans. Enfin, 12 ans, on a fait le maximum. C'est ludique, c'est pédagogique. Comment ça va? Il n'y a pas à changer l'eau, ça c'est génial. Non, c'est génial. Ouais, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est la vie. Non, c'est les petites crevettes qui ont été spécialement faites, choisies par... Spécialement faites, genre créées par l'homme et tout, avant... Ouais, mais enfin, on les retrouve au fin fond du Canada, parce que c'est un équilibre très instable. Il faut de la lumière. La lumière qui est là, elle va faire nourrir l'algue qui est ici. C'est une gorgone, d'accord? C'est la photosynthèse habituelle. La lumière plus le gaz carbonique qui est présent, ça fait de l'oxygène. L'oxygène qui est respiré par les crevettes. Qui peuvent vivre et qui boulottent les algues, d'accord? Elles font après des petites crottes. Les petites crottes, ça fait des bactéries qui vont créer du CO2 pour les algues, et les bactéries qui vont nourrir
la plante. Alors, la plante est sous l'eau, bouffée, etc., etc. Mais comment ça se fait que l'eau ne croupit pas? Ouais. Parce que les petites bactéries sont bouffées par les crevettes. Ouais. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est elles qui s'occupent, les bactéries en général vont sur les vitres. C'est l'écosystème. Ouais. C'est un écosystème complet. C'est super. C'est, hein. C'est un dérivé de la NASA d'ailleurs. C'est la NASA qui avait travaillé là-dessus. Pour envoyer de la vie dans l'espace, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça travaille tout seul en autarcie? C'est la biosphère. C'est une biosphère enfin chez vous. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas joli, hein. Bravo. Bah, faut les rendre. Autre chose. Autre chose. Alex, j'ai un truc pour vous sur scène, parce que votre pièce de théâtre, elle est bien, mais il y a peut-être mieux à faire. Oui. Voici la patinette du troisième millénaire. Ça, c'est... Y a... Vous montez dessus. Regardez. Tout de suite, vous sentez que ça peut bouger ça, sur le côté. Ouais, ça tombe. Hein? Mais ça fout pas le mal de mer. Non. Et vous allez, en quelque sorte, ramer, entretenir le mouvement. D'accord? Genre Godinier. C'est, vous n'avez jamais fait ça de votre vie. C'est nouveau, ça va sortir. Eh bien, vous allez voir. Regardez. Oh. Allez-y. Voilà. Alors, c'est ouais. Vous entretenez le mouvement, vous allez accélérer. Ça s'appelle le trike. C'est la patinette, peut-être de l'an 3000. Ouais. Le trike, il faut l'appeler. Ça prend pas de place sur les trottoirs. Pourquoi le trike? C'est pas s'entraîner avant d'aller au ski, ça. Essayez, monsieur. Voilà, un type non sportif. T'as des freins, je crois. Je suis pas sûr que je vais pas y arriver. Mais si, vous allez y arriver. Allez, on te pousse. Pas de violence, gamin. Un petit peu, je vous pousse un tout petit peu. Voilà, vous sentez. Mais non, vous le faites trop vite, le mouvement. Oh là. Laurent, là. Je vous jure que ça marche. Mais faut ciao, vous démerdez avec les invités. Alors merci Jérôme Bonaldir. En tout cas, Orange Mécanique sera à partir du 5 février au Cirque d'Hiver, Ménagerie du Cirque d'Hiver, avec Sagamore Stevna, Isabelle Pasco et aussi Corti. Merci à tous les deux. Merci. Notre dernier invité pour ce soir, c'est Hervé Villard. Le célèbre interprète de nombreux tubes comme Reviens, Nous, Méditerranéenne. Il va nous rejoindre sur ce plateau aujourd'hui parce qu'il sort un livre intitulé L'âme seule aux éditions Fayard, un ouvrage autobiographique dans lequel il nous raconte l'itinéraire du petit orphelin de Paris devenu, vous le savez, vedette de la variété française. Outre ce livre, il paraît que pour fêter l'Aïd El Kébir, Hervé Villard va faire une reprise de son plus célèbre tube Cabri, c'est fini. Mais ça, c'est un peu moins sûr. Parlons surtout de L'âme seule, c'est la raison pour laquelle il vient nous voir aujourd'hui. Voici Hervé Villard. Bonsoir Hervé. Bonjour. Votre vie chez Fayard, on peut dire c'est votre vie, L'âme seule, une vie qui manifestement a passionné tous mes amis présents sur ce plateau, parce qu'ils ont tous lu votre livre, et j'en ai pour l'instant un très bon retour. Et vous êtes assez honnête, j'ai lu qu'à la fin du livre, ouais, vous citiez la personne avec qui vous aviez travaillé, l'écrivain avec qui vous aviez travaillé, Jean-François Kervéhan. Ouais. Exact. Qui avait fait, pardon de le rappeler, pour lui, les mémoires de Loana. Ah bon? Je oui. ne le savais pas. Ah oui, il avait fait les mémoires de Loana. Alors, il avait un peu moins de travail, parce que c'était un peu plus court, évidemment. Mais c'était aussi dramatique. Mais c'était aussi dramatique, évidemment. Vous trouvez que c'est un livre dramatique? Il y a quand même des choses graves, quoi. C'est un parcours formidable. On a l'impression que c'est un roman, ça pourrait faire un film. Vous pourriez faire le choriste tout seul, parce qu'il y a en plus une époque révolue, il y a plein d'anecdotes, les sabots, des choses comme ça, mais il y a des choses des fois un petit peu plus tristes quand même. Vous êtes passé de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Il y a un moment, vous expliquez qu'il y a un vieux monsieur qui vous a proposé de faire des photos de nus. C'est au milieu du livre, hein. Faut commencer par le commencement. Oui, mais c'est quand même pas hyper positif quand même. Les photos d'ailleurs, les photos. Ouais. Oui, mais c'est ça. Donc il y a pas... à vous retrouver. c'est pas qu'une belle vie, mais il y a des choses très positives et notamment... dans la deuxième moitié. Voilà, et vous expliquez notamment, vous êtes passé des petits délinquants, et vous avez été recueilli par Daniel Cordier qui était le secrétaire de Jean Moulin, et vous êtes passé donc des petits délinquants à côtoyer Malraux, la Calas et compagnie. Comment vous avez fait ce passage-là? Moi je pense que c'est un livre initiatique. Enfin, c'est un livre que j'ai voulu écrire qui est plutôt sur le ressenti que l'anecdotique. J'ai eu beaucoup d'exigences avec Jean-François pour le travailler. J'ai d'abord écrit tout à la main. J'ai voulu que ce soit physique, parce que dès que c'était physique, j'arrivais à sortir les choses. Je pense que tout le monde a envie aussi de se débarrasser de son enfance. Et puis je vais vous dire, maintenant que je l'ai écrit, je vais résumer la chose. Maintenant, je peux mourir. Oh, bah, pas on va pas mourir tout de suite. Mais maintenant que je l'ai fait, je l'ai fait honnêtement. Je veux dire, c'est un livre sur les gens. Ouais. C'est un livre qui rend hommage aux gens, à ce garçon qui
ce sont tous des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aimé ou qui m'ont mal aimé, ça n'a pas d'importance. Mais en exergue du livre, vous citez une phrase de Ionesco en disant « Je ne sais pas très bien si je rêve ou si je me souviens, si j'ai vécu ma vie ou si je l'ai rêvé. Oui. » Donc, est-ce que tout ce qu'il y a dans le livre est vrai ou c'est le souvenir que vous en avez ? Non, tout est exact. Mais parfois, j'ai l'impression d'avoir rêvé. Parfois, j'ai l'impression de me souvenir mal. Parfois, j'ai l'impression de l'inventer, d'être le mythomane, parfois, du livre. Alors, Christine, que tout est exact. Pardon. Alors, Christine veut intervenir. Alors là, je n'ai jamais de ma vie lu une biographie, une autobiographie d'un personnage public aussi bien écrite. C'est-à-dire qu'en m'y plongeant, j'ai eu le sentiment de lire Maupassant. On voit pas René Villard, on voit... La vieille, le vieux qui amène ses sabots, la chèvre, le coq, le cabri, on voit la ferme, on sent les odeurs, y a tous les mots, il y a des mots, mais c'est extraordinaire. L'argent s'accumule un sou, puis un autre, virgule, l'argent gonfle jusqu'à former une petite masse équivalente à une paire de chaussures. Quelle est votre part d'écriture ? Moi, je veux savoir. Je vais vous dire. Toute ma vie, je me suis fait accompagner par d'autres. Je ne voulais pas faire ce livre seul. Ce livre était écrit lorsque je l'ai présenté à Fayard, à Claude Durand et à Elisabeth Samama. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Kervéan ? Il m'a porté, il m'a aidé, il l'a fait comme un frère. Je ne voulais pas faire d'erreur. Je voulais être accompagné. J'ai aussi été accompagné d'une libraire qui n'est pas loin d'ici, qui me disait des fois, tu te prends pour Alfred de Vigny, écris mal. Et ça m'a donné beaucoup de vérité pour le réécrire. Mais j'ai adoré l'écriture, je me suis plus attachée, si tu veux. Moi, j'ai pas vu Hervé Villard là-dedans. Hein. Tu lis ça parce que c'est un roman. Je ne vois pas Hervé Villard. Pierre Bénichoux. En effet, comme vous l'avez dit, un livre passionnant, un livre émouvant, un livre poignant. C'est une vérité, c'est une vision du monde. C'est une traversée de ces 40 dernières années. Ce qui est formidable, avec toute la saloperie, toute la difficulté, tout le parcours obligatoire et initiatique, comme il le dit. On le voit tapant le nu, comme on disait. Après ça, faisant le tapin, après ça, faisant le mac, après ça, faisant chanteur, après ça, trouvant ce père d'adoption absolument incroyable, qui est un des grands héros. De notre époque, un grand héros du siècle, Cordier. Et en fait, ils sont devenus un couple extraordinaire, un couple père-fils, mais un couple quand même. Et chacun s'est formé à l'autre, et ça fait une chose formidable. Et d'ailleurs, il a eu, dans sa vie, Cordier, et il a eu aussi, je dois le dire, c'est un souvenir personnel, Marguerite Duras, qu'il ne connaît pas, je crois, mais qui me disait... Le plus grand poème qu'on ait écrit de tous les temps, c'est Capri, c'est fini. Ouais. Alors, je dis, mais non, mais je dis, oh, c'est une belle chanson. Tu veux que je la chante ? Et elle chantait Capri, c'est fini. Je vous jure que c'est vrai. Et elle était folle de Capri, c'est fini. C'est une très belle lettre, d'ailleurs. Bon. Ouais. Donc, vous êtes un personnage, à mon avis, et ça me fait rire de lui dire comme ça, parce qu'il regarde avec son air en même temps inquiet, et en même temps mariole, de petite femme. Je sais ce que vous faites dans la vie, je vous connais, j'ai beaucoup d'admiration. Il me regarde comme ça, oui, ça c'est normal. Oh non, je déconne. Je crois que vous êtes un des personnages importants de ces trois derniers jours. Non, de toute cette époque-là, quoi. Voilà. Elsa Fayer. Moi aussi, j'ai adoré, mais j'ai tellement de questions à vous poser parce que vous laissez quand même certaines choses en suspens. D'abord, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que, bon, vous n'avez pas été abandonné. Vous avez été retiré des bras de votre maman et on vous a annoncé à la DAS que votre maman était morte pour que vous ne cherchiez pas et on vous a demandé de ne pas chercher à la retrouver. Exactement. Vous avez fugué un nombre incalculable de fois du système dans lequel on vous avait mis et dans lequel on voulait que vous restiez. Et vous parlez de cette quête de votre maman pendant toute cette période de votre vie, mais nulle part vous ne dites quelles ont été les démarches que vous avez faites pour aller la retrouver. J'ai le sentiment que vous errez, mais que vous ne la cherchez pas vraiment, que vous attendez qu'elle revienne, que vous attendez de la croiser, et vous comptiez la croiser où ? À Pigalle, au détour d'une rue ? Vous savez, lorsqu'on vous ment, lorsque vous êtes enfant, moi je croyais qu'elle était morte. Et à partir du moment où on s'aperçoit qu'elle est vivante, on vous dit, ce sont les adultes qui mentent. Vous savez, ces femmes, ces filles mères, c'est la République qui leur demandait d'abandonner leurs enfants, qui les encourageait. Pourquoi ? Parce qu'on devait absolument repeupler les campagnes. Donc,
toutes ces femmes, il n'y a pas eu ma mère, il y a eu des milliers de femmes qui ont été encouragées, qui ont été, voire obligées d'abandonner leurs enfants. Donc, c'est ça que j'ai voulu mettre dans le livre. Ça n'est pas seulement l'histoire du petit orphelin. Lorsque vous savez que vous n'appartenez à personne, qu'est-ce que vous faites? Dès que vous avez un sourire, dès que quelqu'un vous tend les bras, dès que, que quelqu'un vous prend dans ses bras, c'est tout l'amour du monde que vous recevez et que quelque part vous refusez. Or, quand j'ai retrouvé ma mère, oui, j'étais déjà parti vers les étoiles. Vous l'aviez remplacée? Pourquoi j'ai retrouvé cette mère? Parce que j'ai retrouvé un père qui était Daniel Cordier, à qui je dédie le livre, d'abord. Si je n'avais pas dit la vérité à cet homme, imaginez que je lui ai dit « mon père est à Lyon », vous savez, le fameux mytho que j'étais, quoi, enfant. Si je lui avais menti, si je n'étais pas allé à ce rendez-vous, qu'est-ce que je serais devenu? J'en sais rien. Mais vous savez, ce n'est pas un livre sur mes malheurs. C'est un livre sur l'humanité, sur les gens, qui retrace aussi une certaine époque. Il y a l'engouement, Jean-Bernard Hébé peut en parler, il y a l'engouement de ce garçon qui s'emballe pour la musique et il essaie de s'appliquer pour qu'on l'aime. Jean-Bernard Hébé, alors justement. Eh bien, c'est l'histoire d'une rédemption. Et en fait, toute la vie d'Hervé Villard, c'est une rédemption. Et en fait, il est né sous un double sceau d'infamie, si je puis dire. D'une part, donc, comme il le dit, orphelin, il essaye de s'en sortir. Et puis après, il est né une deuxième fois en devenant vedette, avec le sceau ultime de l'infamie. Il fait un tube de l'été, il fait Caprice et fini. Donc il est estampillé con à vie. Et donc, il va mettre toute sa vie, après ce livre, il y a de quoi faire un deuxième tome, à dire, mais non, je ne suis pas con à vie. Et aujourd'hui, il exprime justement, par ce qu'il chante, par les poésies, par les spectacles et tout, qu'il n'est pas seulement ça, il a été ça aussi. Puis ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, un petit peu à cause des médias, on en fait beaucoup dans le pathos et la tristesse, mais c'est l'un des mecs les plus marrants qui existe, qui était extrêmement pote avec les Charlots, Bézu et autres grands fêtards de Paris. Et je le suis toujours. Et qu'il est toujours. Et ce livre est l'histoire, je le répète, d'une rédemption. Ça, c'est le tome 1 qui est formidablement bien écrit. Il y aura sûrement un tome 2. Et quand tu parlais d'un film, il a déjà été fait. C'est les 400 coups. Maureen Dor. Oui, il y a quand même une question que je me pose, c'est que vous décrivez une assistance publique atroce pour les mômes, qui est vraiment, qui est une tueuse d'enfants. Enfin, je trouve que dans le livre, c'est comme ça qu'on vous dit. Est-ce que, maintenant que vous en êtes, enfin, depuis que vous en êtes sorti, est-ce que vous avez fait en sorte qu'il y ait des loups, qu'on révoque toute cette manière de faire avec les orphelins? Est-ce que vous vous êtes un peu impliqué là-dedans? Je pense pas que ce que vous dites. J'ai pas voulu accuser l'assistance publique. Si vous regardez bien dans ce livre, au contraire, il y a des garçons, il y a bien sûr Roger qui veut devenir travesti, qui rêve de cela. Il y a aussi Rocky qui se prend pour la bande de Le Chef de la Blouse en Noir. C'est tous des mythos. Non mais moi je parle aussi de déplacer les membres de famille en famille. Il y a aussi ceux dont l'assistance publique, c'est aussi, je parle de cela, dont l'assistance publique va faire des avocats, leur offre les beaux-arts. Vous voyez, moi je n'ai pas voulu régler mes comptes dans ce livre. Vous savez, j'ai écrit ce livre comme j'ai écrit ma première chanson. Monsieur Cordier vit encore. Daniel, j'ai écrit aussi ce livre pour lui, mais j'espère que je suis digne. J'ai écrit Caprice est fini pour lui, j'ai écrit ce livre pour lui. J'espère que je suis digne un peu, que ce livre est bien écrit. J'espère qu'il va lui faire plaisir, parce que je ne voulais pas écrire un livre sur cassette, quoi. Je voulais aller suer, écrire à la main, travailler. Peu m'importe, maintenant ça ne m'appartient plus, c'est aux gens, si on a des résultats, tant mieux, merci, on verra bien. Et puisque vous aimez vous amuser, vous allez rester quelques minutes encore avec nous pour le qui a vu qui a vu quoi. Vous connaissez le principe, quelques photos, il s'agit de retrouver évidemment de quoi il s'agit dans l'actualité du jour. On regarde très vite le classement, c'est Annie Lemoine qui est en tête avec Philippe Vandel. Mais attention, ils n'ont que 4 points puisqu'on a remis les compteurs à zéro début 2006. Attention, tout est jouable, première photo. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Ça, c'est un Gazprom. C'est-à-dire? C'est le russe de Gazprom. C'est quoi le russe de Gazprom?
Oh, il a c'est le représentant de Gaspar. Pas du tout. C'est un danseur de Ricky Martin. Non, pas du tout. C'est pas l'un des deux jumeaux qui a pris le pouvoir. Non, mais on se rapproche. C'est un Ukrainien. Ça, oui. C'est un Ukrainien. Ah, voilà. Mais c'est par rapport à Gaspar. Ah, oui, c'est pas le responsable. Ok, d'accord. C'est un Ukrainien par rapport à Gaspar. Ah, alors. Oui, c'est le type qui vient de se faire virer parce qu'il est allé contre la décision de faire passer de l'accord entre l'Ukraine et la Russie. Le Premier ministre. Le Premier ministre ukrainien, excellente réponse de Morinda, obligé de démissionner à cause de l'accord sur le gaz avec la Russie. C'est le Premier ministre ukrainien qui a dû démissionner. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en petite forme, le moine, pour une fois. Pas du tout, je te laisse exister, c'est tout. Photo suivante. Federer, il a bougé. Je sais qui c'est. Est-ce qu'il a bougé? C'est la bouche d'Arnold, Schwarzenegger. Jean-Luc Lemoyne. Il a eu un accident, c'est ça. Il a dit avant. C'est bon, c'est content. Vous avez fait semblant de ne pas entendre. Il a même dit, c'est un accident de moto, c'est pas du tout une piqûre de collagène. Je suis pas sûr, comme vous pouvez le croire. C'est bien fait pour lui, en tout cas. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. Voilà. Dernière photo. Ah bah c'est la... Ah tiens, c'est la polonaise. C'est la polonaise dans le film de la petite, là. Je vous trouve très beau. Elle est magnifique. Je vous conseille d'aller voir ce film, c'est magnifique. Elle est roumaine, mais effectivement, c'est la comédienne principale du film d'Isabelle Mergo. Je vous trouve très beau. C'est un très beau film. Alors, qui a des réponses d'Hervé Villard? C'est un très beau film. J'en suis sûr. Elle s'appelle Médéa Marinescu et c'est elle qui joue cette fille de l'Est. Elle est magnifique. Qui vient rejoindre Michel Blanc à la campagne. C'est le premier film d'Isabelle Mergo. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau tous et vous aussi, Hervé Villard. Et je vous remercie. L'âme seule, c'est le livre d'Hervé Villard paru chez Fayard. À demain.